Ce dimanche 16 juin 2024, dans le volet humanitaire de sa mission à Bénéville, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Jean-Romuald Ekoukalipopo, a visité au total 139 blessés, victimes de la barbarie des ADF MTM. Merci beaucoup. Dans le cadre de l'itinérance que nous sommes en train de faire dans le territoire de Béni, nous sommes venus voir un peu tous les malades et tous les blessés qui ont été occasionnés par l'éruption des ADF dans les terres de Mabalako, Cantine et autres. Nous ne pouvions pas ne pas venir parler de ce problème sans venir voir ceux qui en étaient victimes. Et nous sommes venus tout à l'heure, nous avons vu les victimes civiles. Et tout à l'heure, nous sommes passés au niveau des victimes militaires. Il y a eu un certain nombre du côté des victimes civiles, un certain nombre de victimes militaires. Mais nous ne pouvons pas, n'est pas seulement nous contenter des victimes militaires, mais nous devons le faire pour toutes les victimes, tant civiles que les autres. Et c'est ce que nous venons de faire. Eu égard à ce que nous possédions, nous avons essayé de plus ou moins alléger la souffrance de beaucoup en donnant une petite enveloppe. Nous n'avons pas voulu concentrer une enveloppe et donner peut-être aux responsables de l'hôpital. Nous avons voulu que chacun des malades puisse recevoir une enveloppe pour que le malade puisse lui-même se rendre compte du degré de l'apport que le gouvernement est en train de faire et particulièrement le gouvernement provincial du Nord Kivu. Mais à votre avis, ce n'est que le sentiment d'avoir fait quelque chose, notamment pour les forces armées et pour tous les malades en tant que vice-gouverneur. C'est ce que nous devons faire parce que le gouvernement est au-dessus des citoyens et devrait leur apporter un petit peu pour faire comprendre que nous sommes tous derrière eux. C'est-à-dire que c'est une guerre qui nous est imposée d'une certaine manière et c'est une opération que nous ont imposée des ADF que nous sommes en train de combattre et à l'occasion d'une éruption comme ça et de massacres dans les villages, nous, le gouvernement provincial, nous devons intervenir pour assouvir la peine des malades. Et quelles que soient les circonstances, nous viendrons à la rescousse des malades, des blessés et autres, et nous serons tous là. Et si possible, et nous devons prévenir cela. Mais vous savez que le ZADF, c'est une nébuleuse. Nous sommes en train de combattre depuis un bout de temps. Nous allons vaincre. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que non, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est vrai. C'est un combat. C'est une guerre que nous avons déclarée aux ZADF et qui nous ont déclaré également. Nous allons achever cette guerre à un certain moment. Nous les combattrons et nous allons les vider. Le représentant personnel du gouverneur militaire du Nord Kivu a reçu ces messages de la part des victimes. Nous sommes victimes de balles. Nous avons accueilli une délégation de vice-gouverneur qui vient de nous rendre visite. Et nous disons vraiment merci pour cet acte de bienveillance. Wadef walilunguza moto zetu, mamugini yetu, na sisi tulipata maanga za mipanga ya waanga wa ADF. Ilikuwa siku ya pili, ADF ilitoka kunjia ya Makumo. Inakuya siku ya pili, ile siku ya nani ya nevere asubuhi. Nilikuwa moto yangu na niko natoka masau. ADF inaingia madiwe, Andre Kantine, Masala, Masau. Mie nilikuwa muwanga wa kwanza kuwale wa ADF. Peu avant cette visite des hôpitaux, le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Jean-Romuald Ekoukalipopo, a communié avec les chrétiens catholiques, leur passant le message de la restauration de l'autorité de l'État et celui du soutien de FARDC et de la police.